Tu pouvais avoir un dash en plus. Oui, j'ai vu, oui. Mais bon. J'avoue que je. Je ne sais pas. Là j'ai dash comme un con dans. Je suis pas. Je suis pas dedans là. C'est de ma. J'ai presque qu'une envie, c'est que la run se termine en fait. J'avoue que je ne fais pas spécialement attention à ce que je prends. Centaur strength. Megara, alors là ça va être drôle. Hein. Là ça va être drôle. Elle ne me pose plus aucun souci avec aucune arme. Je l'ai jamais tenté encore avec l'arc. À mon avis ça va être la défaite quoi. You really did it. That Hydra was a total bastard, though. Bastards. But you sound practically impressed with me there, Meg. I feel so flattered. You'll soon feel something else. I don't know how you did it, but it changes nothing. Aïe, tain, le dash que j'aurais pu éviter facilement. Le combat dure 10 plombes avec cet arc. Je n'aime pas cette arme. Oh là là, j'en ai tellement marre que je fais même pas attention à ce que. C'est catastrophique. Oh mais je dash en plus comme un con dans les pièges. Allez, vas-y, tue-moi, voilà. Allez, que ça se finisse. C'est infernal, je déteste cette arme. Mais vraiment, je crois qu'elle et moi, on n'est pas fait du tout pour... C'est infernal. Je trouve vraiment inefficace au possible. You got whipped by Megara the Fury. Eh? I always wanted to say that. 30 ans pour faire 4 dégâts, c'est sa vitesse. En fait, c'est juste qu'une flèche fait beaucoup de dégâts sur un instant T, mais la vitesse d'attaque est tellement nulle. Mais on fait une flèche toutes les 2 secondes, c'est infernal, ça dure 10 plombes. Je suis vraiment pas convaincu. I get it. You called upon your humble court musician, as I understand, Lord Hades, sir. Referring to myself, of course. Non mais c'est même pas une question de facile en fait. C'est que même en y maîtrisant pour moi c'est... Enfin après l'arc peut... Enfin après apparemment les armes peuvent être boostées donc... on va dire que pour le moment, au stade du jeu là où j'en suis, je trouve que c'est l'arme vraiment qui a le moins d'efficacité. Et vraiment la moins... même si tu la maîtrises, tu peux pas être aussi efficace. Quand j'ai fait... la première fois que j'ai atteint l'Elysée, j'étais avec un build épée.
avec du vol de vie dessus et vraiment une récupération, enfin vraiment beaucoup 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 de, j'avais beaucoup de vie, du vol de vie, j'avais des bonus vraiment intéressants, mais tu roules sur le, mais d'une efficacité, mais pff, ça n'a rien à voir quoi. Alors après peut-être qu'avec l'arc amélioré ça va changer, mais moi je confirme que je défonce les runs avec, non mais c'est possible hein, c'est possible hein, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle là je, même sans, enfin je sais pas, c'est hyper long. Megara, il me faut, avec le bouclier par exemple, avec le bouclier Megara, ça dure 15 secondes quoi. La défense, mais en 15 secondes. Là j'ai l'impression qu'il faut, même en évitant tout, et, tout correctement, en faisant gaffe au dash, etc., en réussissant tous tes tirs, il te faut 5 minutes pour la tuer quoi. C'est, après bon, peut-être que ça va changer après hein. Je pense hein, il y a des chances. Mais c'est vrai que pour le moment, ouais, je suis vraiment pas convaincu. Well, Orpheus, if you're quite finished with your little stint within the depths of Tartarus, I'd like to ask again. Play us a song already. Or else next time I'll not be quite so charitable with your punishment. Oh, that. I must apologize again, Lord Hades, sir, for I'm afraid that I've no wish to sing as yet, in spite of your persuasiveness even. And that, is my final word upon the subject, at this time. Is that so? Why then, I'll go ahead and wait. I've all the patience in the world. He's in trouble. All right. If this isn't a good expenditure of resources, then I don't know what is. Est-ce qu'Achille éventuellement peut parler? Achilles, sir. There's something I've been wondering about your codex. The words are yours, and yet it's through my actions that I'm able to absorb them. Is that how mortal scriptures always work? Hey, bonsoir Ghostlikia, comment vas-tu? J'ai fait mon premier run à l'arc un instant, mort au boss de fin, de très peu sniff. Ah bah, c'est un peu pareil. Ah, boss de fin, tu veux dire le boss de fin du Tartare ou le boss de fin du jeu? Moi j'en suis encore loin. Ah, du jeu, ok d'accord, donc ça n'a aucun rapport avec moi. Non, moi c'est même Megara, ça me... c'est que cette arme et moi on part d'un très mauvais pied. Je n'aime pas du tout, du tout, du tout, du tout. Hein. C'est la catastrophe. I see. I think. I'm grateful for it, sir. Peut-être que ça changera après, hein. Peut-être que ça changera, je dis pas. That definitely came to pass. Say, Skelly, don't suppose you'd care to tell me how the infamous Twin Fists of Malphon came to be right here in this very courtyard, would you? Nope, not any of my business, pal, which is to say, I didn't see a thing. And even if I did, it isn't what I'm paid to do. Don't you have someone in your fancy house there paid to keep watch over stuff like that? Ask them. All right, maybe I will. Let's go with this one. Pretty mean knife you got there. Bye, everyone. Lady Artemis. The finer points of hunting are not easy to communicate, though you're learning from experience at least. Bonsoir, si tu n'aimes pas, tu peux la jouer autrement avec le deuxième tir. Tu veux dire le tir de zone, le cône? Je joue avec poison et critique et boost critique. Ok. Moi je trouve que la visée est approximative, entre guillemets, enfin... Je sais pas trop comment dire. On dirait qu'il fait 3 salves. Alors a priori j'ai vu qu'on pouvait rajouter, on pouvait améliorer la technique pour ajouter des flèches dans le tir, dans le tir, etc. Alors peut-être que c'est pareil. Encore une fois, il est, le tir de base est peut-être pas terrible. Il peut être amélioré après, mais ouais, je sais pas. Puis je trouve que ça fait pas beaucoup de bêtises, mais la technique, tu vas au corps à corps. Ouais, c'est ça en fait.
Avec le marteau, tu peux avoir 4 flèches en plus. Et tu balances tout dans la gueule. Ouais, ok. Oui, c'est vrai qu'avec 4 flèches en plus, en se positionnant en corps à corps et en faisant ça doit faire vachement plus mal. Là. Du coup, faut gérer un bon placement, quoi. J'essaierai, quoi. Fait aussi mal, très gros DPS. Ah mais c'est l'impression que j'ai aussi, c'est que ça fait très mal. Mais en tout cas là où j'en suis moi dans le jeu, c'est que ça fait très mal mais toutes les deux secondes. Alors que les autres armes font moins mal, mais sur la même durée de temps, sur le même dégât par seconde, je fais beaucoup plus mal. Donc je sais pas. Après c'est peut-être juste que moi ça me correspond pas, hein, tout simplement. Hein. Je peux reprendre ça. Come and get it. Oh, quel abruti. Facile à éviter. Deuxième tir, tu spams, tu peux améliorer la vitesse d'attaque, c'est la folie. Ah, c'est vrai qu'avec une vitesse d'attaque améliorée, je veux bien le croire. Ouais. C'est juste plus dur à build. Ouais, parce qu'il faut tomber sur les bons bienfaits qui te donneront justement la possibilité de pouvoir spammer la technique à fond, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais c'est vrai qu'avec une vitesse d'attaque améliorée, en pouvant spammer la technique, ça doit être beaucoup mieux. Hein. Donné au début, c'est peut-être pas trop gênant. Faut t'aider des accessoires pour tomber sur les bienfaits. Oui, c'est ça, les souvenirs, ouais. Ah, quel idiot! L'épée, elle a quand même pas beaucoup de dégâts, hein, sans... T'as rien pour la booster, c'est vrai que c'est franchement pas ouf niveau DPS. Hein.
On balus encore un combat, ok. Un jeu qui est basé sur le déplacement, du coup. Tu as raison, Arc au premier run c'est très dur. Déjà avoir terminé le jeu deux ou trois fois. Oui, je pense aussi. Non, mais il faut connaître. Faut connaître. Enfin, ça demande tellement de devoir. Ça demande tellement de connaître tous les personnages, enfin, tous les ennemis et tout pour savoir à quel moment bien te positionner, etc. Que. Moi qui connais pas le jeu, j'ai 5 heures de jeu dessus. J'ai 5 heures de jeu dessus et en plus j'apprends tout doucement. Ah, ça c'est facile à éviter ça. Bon, je crois que j'ai jamais essayé l'appel de Poséidon encore. Ça va bien. Tu joues Cac, le bienfait et l'an divin. Et le best, tu essaieras. Le bien. Élan divin. C'est. Avec Poséidon ? Je ne sais plus. Je vais pouvoir réutiliser ma technique à nouveau là. Si je fais pas l'idiot. Je fais pas l'idiot. Oh, je joue pas bien là. Hein. Ah, c'est pas grave. Je teste des trucs que je connais pas. Envoie les dégâts, les pièges et aussi les attaques. C'est si je crois que la marine précédente, pas l'arc encore avant, je crois que je l'avais. J'aime bien aussi le celui de Poséidon. D'élan. You know, Prince, it's been good not having to see those Fury sisters quite as much lately. The main one, what's her name? She's on your case now, isn't she? You mean Megara? She's on my case, all right. Under strict orders not to let me out of Tartarus. I guess that means you've got yourself a break. About damn time they gave one to you, sir.
easy, does it? Thank you, mate. Pumped up. En fait, tu cumules ça avec deux énormes en plus afin d'en avoir quatre et tu es presque invincible. Ok. Effectivement, hein. Je veux bien te croire. Je commence toujours mes runs avec ça en ce moment. Le Mascar Gem, aller au cac. Ok. Bah, je note. Je note. De toute façon, si l'occasion se. Pour le moment, je suis en phase de test. Je teste plein de trucs. Ça veut dire que je fais plein d'erreurs. Hein. Je pense que c'est normal aussi. Hein. Mais ouais, je teste pour voir. Pour voir. Du coup, j'essaierai de faire une run là-dessus si l'occasion se présente. Ouais. Testons. Bon, je suis pas hyper pas terrible cette run, hein. Is giving me the power to crush you doesn't mean they're getting involved with this, does it? You don't know who or what you're dealing with. Ask Nyx about them for me sometime. Here, I'll give you a chance to ask her very soon. Ah mais... Oh, je joue mal, je joue très mal.
Oh non, j'aurais pu l'éviter facilement ça. J'ai mal joué hein. Pas top hein. C'était pas génial. Off to Asphodel. Which to choose? Any boons worth giving up? Ouais. C'est pas terrible. Je pense pas que j'arriverai à passer l'hydre. À moins que ça se renverse. La situation se renverse, ça me paraît compliqué. Inferno bombers. Consider this a warning. Oh mince, je l'ai vu en plus hein. Oh. J'ai perdu beaucoup de vie hein. But she's fast. She's pretty fast, all right. Who felt that?
con de dépenser de l'argent comme ça, mais j'ai l'impression de prendre tellement de dégâts que je vais essayer d'aller un peu plus loin. Right, the barrage of death. Ok. J'avais pas encore fait ce niveau quoi. Je ne le connaissais pas. Cheers, uncle. Oui, je vous dis bonne nuit, bon rush, que la force des enfers soit avec toi, bonne fin de soirée pour les vaillants. Merci à toi d'être passé, et puis bonne nuit, puis très, très probablement à demain. Oh, good. This has to be the chamber renovation I put in. You must have a lot of stops around these parts, don't you, Charon, mate? Most of the dead are here in Asphodel, correct? Toujours un plaisir de discuter avec lui, hein. I'll just have a look around. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir... Est-ce que j'achète une grenade ou pas? Allez. De toute façon, je suis pas sûr de réussir à faire lead dans l'état actuel des choses. Tant pis, si on doit donner toutes les chances de mon côté. Come and get it. Le début, c'est jamais très 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 dur. Pas dans la lave. Oh.
Oh, je me suis fait surprendre par son... J'ai l'impression qu'il était buggé au fond là. D'habitude il est pas comme ça. Ça c'est pareil. Je le connais en plus ce coup là. Ah. Oh, j'ai pris des coups un peu bêtes hein. Et un peu je suis gentil hein. Mais ça va, ça passe. C'est l'erreur de la précipitation ça. Comme de marcher dans la lave comme un idiot. Oh c'est pas hier j'arrivais encore à peine à la faire là, maintenant l'hydre passe quand même bien. Donc ça s'améliore quand même pas mal. Ah là là là, pas eux, je les déteste. Trouver meilleure façon de gérer les chariots que de m'enfuir devant eux quoi. Je sais pas s'il y a une meilleure façon de faire mais... Mais les faire exploser contre les murs c'est vraiment la seule méthode que j'ai trouvée pour que ce soit pas trop punitif en termes de dégâts. Merde, il est ancien. Gaffe. Les lanciers. Faut que je fasse attention. Hein. Je fais pareil. Ah ok, bah ça me rassure alors. Parce qu'au début, je me suis dit peut-être qu'il faut les frapper à un moment précis, genre avant qu'ils clignotent ou quelque chose comme ça. Et alors, je me suis dit, je dois être extrêmement nul parce que j'y arrive pas. À chaque fois, je finis par prendre des dégâts quand même. Et du coup maintenant, enfin quand j'ai vu la run juste avant que quand je traversais les murs, ils me suivaient comme des débiles et ils venaient exploser contre un mur. Je me suis dit, bah, autant jouer un peu lâche et puis les laisser exploser dans leur coin. C'est beaucoup plus sûr. Et je me demandais si c'était vraiment la bonne technique parce que je trouvais ça un peu pas trop skillé quoi. ouais.
pas. Voilà, donc t'as par exemple leur français dessus et hein. C'est ma troisième incursion dans les Champs-Elysées, donc je connais encore mal les ennemis. Je fais des grosses conneries comme foncer dans le tas. Choix prédestiné. Je pense que je vais prendre ça juste pour le choix prédestiné. Ça au moins j'aurai rempli une tâche. Attaque inflige 200% de dégâts lorsque vous frappez vos ennemis par derrière. Ok. Hop, allez, essayons. Ça me convient. Amid Elysium's moss-covered chambers, carved of stone, stand untold numbers of eternal monuments in tribute to the greatest heroes which mortality can offer. There to honor them in life as well as death. This place is near as gloomy as the house. Well. Qui es-tu? Go on, stranger. Plenty more shades looking to fight with you out there. I'm just passing through. You seem less warlike than the rest. May I ask your name, sir? I'm Zagreus. Names are there to be forgotten, stranger. You shouldn't be here. May the fates favor your journey. But just in case they don't, here, why don't you take this? L'ombre propose sélection d'objets rares. Ok. Oh! Ah ouais, pas mal! Pas mal du tout. Pas mal du tout. Que eux pouvaient lancer des lancers de lance là. Ah non! De dégâts à l'armure. Essayons de prendre ça pour voir.
Ah, pas lui, pas lui, pas lui. Let us see if you are fit to face him once again. You mean face both of you together, which doesn't seem particularly fair. Life isn't particularly fair, short one, nor death. I'd have expected you to know as much. But here, have your fair fight. Oh. Là, il dash. I win this round. All set. You're no condition for an outing with me, dearest. Though perhaps you might recover from your hardships with my aid. Love it. Good for the health. Les lanciers, les lanciers, les lanciers. Foncer dans les lanciers, c'est pas une bonne idée. Ah, je suis fatigué aussi, ça joue. oui, j'aime pas du tout les lanciers de l'Elysée. Faut vraiment que je prenne l'habitude de pas me battre à côté d'eux. Je fais pas attention, c'est... Ils font beaucoup trop mal. So, you lost a duel to the death with an exalted brightsword, did you? They're pretty much the best of the best, so don't feel bad. It had to happen. But if it's any consolation, it'll probably happen again. Probably.
So how did it go? How did you die ignobly this time, pray tell? Cerberus and I can't wait to hear the tale. In that case, I'll spare you the details. Fine. Your failure is quite easily imagined. How often it recurs. Almost as though my realm is built to keep you here. You and every single soul that's ever lived. But by all means, continue struggling. You're much too modest, Lord Achilles, for someone with such a number of heroic deeds and glorious decapitations to his name. You ought to be more like ever boastful Zagreus and talk it up some more. C'est gentil, on est là quand même. Oh, fear not, Orpheus. I was quite boastful in my day. Would you look at where it got me? Besides, I've not the imagination to come up with tales as tall as those of our Prince Zagreus. What can I say? I try. I just wanted to apologize because I think maybe I didn't act very appropriately last time you spoke to me. But I just really, really like this job and I promise I will always do my very best, so I just hope I'll have another chance. Dusa, please, there's no need to apologize. You've been doing a wonderful job, really. What? You really mean it, Prince? Thank you. Thanks. You have met most of your Olympian relatives by now, child. Although the power of their blessings is fleeting here, they shall continue to support you as long as necessary. They all still think I'm headed to join them on Olympus. That's why they're helping me. They are helping you because you are family. Family with whom they do not yet have a complicated past. Moi, je pense que ça cache quelque chose, mais... It's getting complicated pretty fast. Well, how was it up there, Zagreus? With an Elysium? You'll have to tell us all about it every time the greatest strike you down. You've never been there, have you? It's... lush? Is that a word? Feels closer to the surface. Closer to the sky. How poetic. You could have visited as part of your responsibilities. Instead, you trespass, incurring wrath of fallen champions in service of your father. Yeah. Je sais pas si j'avais déjà offert un nectar à Megara. Hey, Meg. Look, I know you're just doing your job out there, and anyway, found this, thought of you and all that, so here. I'll see to it. This contraband is put away at once. Now, take your finder's fee and go about your business. Thanks. I guess this came to pass. Achilles' Codex. I'm getting somewhere with it. Bon, toujours pas les 500 pour avoir un refus de mort supplémentaire. C'est ce que je vise en ce moment. Hey pal, Skelly, how do you know all this stuff, by the way? I mean no offense, but you're a skeleton who just stands around. Yet you have this wealth of knowledge of the underworld. Hey, I know people, pal. We'll just have to leave it at that. Now let's see you break some of these bones, huh? If I must. What's that one there? Okay. Bon, il est quand même 2h30. Du coup, je vais quand même arrêter là. Donc j'essaie d'aller dormir. Mais c'était bien sympa. C'était bien sympa. Ça va. Je vois que j'arrive quand même dans les Champs-Elysées sans trop de difficultés. Pas dans le meilleur des états, mais j'y arrive quand même. C'est beaucoup mieux qu'hier. Du coup, je suis quand même content. Content de voir que j'arrive à progresser un petit peu. Sur ce,
Moi, je vous remercie tous d'être restés pour regarder ce live. Merci beaucoup pour vos follow. N'hésitez pas, hein, si vous voulez revenir, comme ça j'aurai plaisir à vous revoir, comme d'habitude. En attendant, bah, je vous souhaite une très bonne nuit. Merci à tous vos conseils pour Serizuna, Ghostlikia, Carla Jadesif, encore une fois, merci pour vos conseils, c'est appréciable. Ça me permet aussi de m'améliorer. Bonne nuit à vous, ou bonne soirée si vous n'avez pas vous couché. Et puis je vous dis à très très bientôt. En attendant, on va aller voir si on peut raid quelqu'un. Moi je pense qu'on peut raid quelqu'un. Je vais jeter un coup d'œil chez Wolfie par exemple. Je crois qu'il fait du visuel novel. Pas content. Et ben, hop, on va aller voir Wolfie. En attendant, je vous retiens bonne nuit. À la prochaine et à très bientôt. Et n'hésitez pas à revenir. Et à plus.